nous demandons des routes, nous demandons des banques agricoles, nous demandons des crédits agricoles. Mais je ne pas continuer, nous te sommes mieux. Maintenant, la Tibonite. Maintenant, la Tibonite, nous avons fait moulin. Hier, nous faisons paysans dans la Tibonite bénéficier en prêt agricole à 0% intérêt. Nous, comment ça veut dire? Zéro, ou pas payer au coût d'intérêt. Et je vais annoncer ça aujourd'hui dans la deuxième section. Premier ministre là, pour le tout ramasser. Depuis nous avons commencé à Tibonite, parce que tout paysan c'est paysan, tout agriculteur c'est agriculteur. Je vais le blâmer sur tout pays à faire 0% d'intérêt, supposé sur tout pays. L'autre information dans le journal sa maternité Isaïe Gentil a fonctionné normalement 24 sur 24 d'après précision responsable l'hôpital Labaye. Responsable au fait qu'on est, il y a un travail pour améliorer la qualité du service l'hôpital là à pour la population. Nous invitons à suivre un reportage Rachel Saint-Fort à Rémi Gauthier. Sorti dans la salle consultation, pathologie, néonatologie, salle accouchement, gynécologie externe interne, bureau de pistage, laboratoire. Tout service en marche dans maternité Isaïe Gentil. L'hôpital là, en effet, comme si depuis bon bout de temps, l'hôpital là non, a fonctionné normalement et tout service en marche. N'importe service qui est venu les jeunes, comme ça. Là. Oui, 24 sur 24, l'hôpital là, la jambe fermée, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Donc toujours, il y a des médecins disponibles, le personnel là toujours là. Donc depuis bien des temps, l'hôpital là va camper pour question de personnel ou médecins, tout ça. Toujours, il y a un service qui fonctionne. Quelques patients qui viennent prendre soin dans l'hôpital là, disent satisfaits de service là. Côté au dit aux médecins et puis joignent soin normalement. Vous connaissez ces maladies qui ont fait actualité, qu'on y a fibrome et puis on a perdu sang. L'on perdu sang comme ça, nous-mêmes nous devinons, moi-même madame ça devinait à 2 grammes sang. Qu'on y a nous joignent amélioration, docteur prend soin, nous prend canon. Je dis merci pour ça. Moi, c'est normal parce que la caméra m'a tenu et mon caméra m'a tenu pour me chercher. Il y a des docteurs pour visiter. Non, vendredi, je suis là. Docteur a dit que je suis venu aujourd'hui à la boule de carbone. Quelques responsables de la maternité, Isaïe Gentil, souhaitent aux autorités du ministère de la Santé publique et la population continuer à accompagner les gens pour répondre à qui ont besoin de l'hôpital là a fait face et puis pour servir la population plus chaque jour. Merci Rachel Akremi. Président Jovenel Moïse posé vendredi 19 janvier premier roche pour construire pont croix des missions à pont route 9 lan. Construction des ponts saio a coûté environ 36 millions de dollars américains. C'est gouvernement Japon qui a bail l'argent pour faire travail saio. John Herbie Casseus avec Hervé Pierre dans un reportage. Travail construction pont croix des missions à route 9 lan a duré 32 mois. Premier a mesuré 78,70 m, tandis que deuxième nan a gain 93,40 m comme longueur. Yo pral remplacer deux autres ponts métalliques qui étaient là déjà yo. Selon information qui nan fiche technique là, nouveau pont sa yo a fait en béton. C'est compagnie construction japonais Hazama Rando Corporation kap gen pour réaliser travail yo. Pont Croix des Missions connecté commune Taba à Croix des Bouquets, tandis que pont route 9 lan fait liaison entre Cité Soleil à Croix des Bouquets. Il y a d'autres ouvrages d'infrastructure routière à réaliser. Il s'agit de la construction de deux autres viaducs dans la région métropolitaine. Un viaduc au carrefour de Gérald Bataille et un autre du côté de carrefour Marassa. Par les travaux de construction, de caniveaux et de compactage de certaines voies de pénétration que nous sommes en train de réaliser dans les communes de Tabar, Delma, Croix-des-Bouquets, Cité-Soleil et qui vont bénéficier de l'apport du ministère des Travaux publics en asphaltage, la circulation des véhicules dans la région métropolitaine va considérablement améliorer et les grands axes routiers reliant ces villes vont être décongestionnés. Au nom de la municipalité de Cité-Soleil, nous nous associons à la cérémonie d'aujourd'hui, bien avant aux démarches qui ont abouti à l'accomplissement de ce matin. Les citoyens soleiliens nous ont choisi, moi et mes collègues Joël Janéus et Charles Joseph, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie, doter la commune d'infrastructures routières modernes capables de garantir la vie des passants entrent d'emblée dans cette dynamique. Nous attendons avec joie l'arrivée bientôt de la caravane du changement initiée par notre ingénieux président Jovenel Moïse dans le département de l'Ouest, particulièrement dans ma commune de Cité-Soleil, pour qu'enfin notre commune soit comptée parmi les communes bénéficiaires des investissements publics. Les nouveaux ponts qui seront érigés à la fin des travaux
répondront à un double objectif. D'une part, rassurer les usagers en leur apportant plus de sérénité et moins de soucis. Et d'autre part, doter les communes de Dabar, de Croix-des-Bouquets, de Cité-Soleil d'une infrastructure moderne, sécuritaire, contribuant grandement à améliorer le cadre de vie des habitants des trois communes. Selon l'ambassade japonaise en Haïti, Yoshiaki Yata, travaille sa prouvé volonté gouvernement Haïti et Japon gagne pour renforcer les relations amicales de pays. Ces deux ponts connectent la zone métropolitaine et les régions du centre et du nord. Ont une importance stratégique majeure, non seulement pour le transport quotidien, mais aussi pour l'opération logistique urgente lors de catastrophes naturelles. Je suis convaincu que ces nouveaux ponts modernes, plus solides et sécurisés serviront au développement économique de la région et du pays entier. Construction du pont Sayo, rentre dans quatre caravanes changement selon le président Jovenel Moïse. Chef l'État a annoncé un autre bord, libre à le passer l'autre pour tirer rivière grise, sauter bassin général, rivière cité soleil. Caravane n'a privé dans l'ouest. Caravane n'a privé, c'est pas pour nous. Faire saupoudrage. Caravane n'a pas privé pour nous travailler sérieusement. J'en parle, man, gratifié de loi. Trois chiffres. Loi qui permet l'État aujourd'hui travailler 24 heures sur 24. Nous prenons le travail jour et nuit pour nous tirer toute rivière dans la zone métropolitaine. Nous voulons travailler jour et nuit pour nous faire route, toute route côté magistrat, ou commencé à mettre à niveau. Nous voulons travailler pour nous mettre asphalte pour nous. Nous voulons travailler pour route, moi je fais là pour me sortir. Dans Douya, pour me lever bon citant, l'ordre de Douya pour arriver jusqu'à Post-Caso, route ça n'a pas bon même. Nous voulons travailler pour route ça, pour toute route ça, une réflexion qui fait sur nous. Pour nous avoir une ville Port-au-Prince qui digne de nous, pour nous avoir une zone métropolitaine, les 9 communes de la zone métropolitaine, pour les communes, pour nous digne de nos communes, zone métropolitaine. Parce que nous tous, nous sommes des citoyens haïtiens responsables, je dis à cloche la sonne, pour nous prendre destin nous en main, pour nous prendre tête nous au sérieux, et c'est pour ça que nous avons un président qui paraît pour prendre destin pays en main, ensemble avec nous. Pour nous prendre tête au sérieux, pour tout le monde, tout notre pays sur la terre, qui arrive à respecter nous comme un pays libre, indépendant et digne. Pont Croix-des-Missions, il y a 56 l'année depuis qu'il construit. Grâce à ce nouveau pont, ça, si là, il y a un habitier, fait zone ça pour avoir l'esprit au plus en paix, les a traversé rivière grise. Député Croix-des-Bouquets, Jean-Wilher Jean, félicite l'État haïtien pour l'initiative qu'il prend pour remplacer des ponts sur rivière grise. Représentant commune Croix-des-Bouquets dans chambre député a encouragé chef l'État à continuer travail pour faciliter commune plus accessible dans le pays. Nous invitons à suivre un extrait dans la déclaration. La construction de ce pont apportera le sentiment de sécurité pour tous. Cette construction permettra de faire face à certains problèmes de circulation qui peuvent être des contraintes au développement des activités économiques de la population. Cette construction rentre aussi dans une politique d'intégration et de développement. Des ponts en bon état peuvent réduire la durée des voyages, accroître les échanges commerciaux et renforcer la cohésion entre les localités. C'est aussi le fruit d'une volonté de réduire les contraintes majeures dans les transports et accorder une importance cruciale à la construction d'infrastructures pour faciliter la vie au quotidien. Mesdames et messieurs, nous travaillons à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure pour que nous apportions les changements réels tant attendus par vous, pour faire tout ce qui doit être fait. Toujours sous même dossier, député Caleb Deramo déclaré vendredi 19 janvier 2018 la continuer soutenir chef l'État dans le travail de développement l'a réalisé dans le pays. Parlementaire, mandé président Jovenel Moïse passer l'ordre pour faire réparation lycée Guy François Malari dans Tabar.
Député Caleb Deramo souhaite équipe caravane changement fait travail qui rage dans tabar les débarqués dans département l'Ouest là. Nous invitons à suivre un extrait. Président côté nous y est là immédiatement après pour moi sous zone tabar lycée qui François Malaria li a terre. C'est vrai, population a besoin de route, mais président jeune Yotou a besoin d'éducation. Lycée qui François Malaria, président, li nan budget République là. Président, hier soir, la pluie tombée dans tabac. Bon, avec CTA, pas de question inondation encore. Travail, travaux publics, a commencé à faire. Jusqu'à présent, il y a pas de bons résultats. Mais ça me souhaite, Président, le caravane a privé dans l'Ouest, en particulier 7 février, Balvina. Président, me souhaite, dans sa gagne sous l'Ouest, pour travaux publics, continuer à garder ce qu'a fait pour nous dans la zone OAVCTA. Excellence, Tabar, c'est une zone transversale que liée. Il y a une pile fréquentation qui fait dans Tabar. Tabar, des fois, il est très congestionné. Excellence, moi travaille déjà avec travaux publics pour nous déboucher zone là, dans la zone pour l'émission là, but boyer, pour arriver sous pont tabac, pour permettre la circulation décongestionnée dans la zone là. L'autre dossier, service pour enregistrer Timon qui fait fête disponible et puis a fonctionné normalement dans la maternité Isaïe Gentil, d'après explication qui est responsable dans l'annexe État civil d'Elma qui est dans l'hôpital là. Responsable yo souhaité moun k'ap vinn prend soin dans maternité Isaïe Gentil marché ak pièce yo pièce qui valide k'ap facilité enregistrement yo fait. Nous invitons suivre un reportage Rachel Saint-Fort ak Rémi Gauthier. Tout moun ki vinn accoucher dans maternité Isaïe Gentil ka enregistré ti moun yo dès naissance yo nan kad programme Compte moins compte yon initiative bureau première dame République la. Responsable nan annexe état civil ki nan maternité sa fait qu'on est tout si monde qui fait dans l'hôpital là enregistré même si c'est pas tout parent qui fait déclaration sous place. Est-ce que ça c'est un service d'enregistrement pour tout si monde qui fait ici là, OK? Alors dès la naissance, ensuite il y a un service on est que madame la présidente là le mettait là au service de tout si monde qui fait là parent yo capable tout enregistrer yo pour un certificat. Donc enregistrer le certificat. Oui, certificat de naissance tout si monde yo de 0 jusqu'à 6 ans. Une fois papa a présenté, nous avons demandé une pièce d'identité. OK? Et nous avons carte électorale, licence ou bien passeport. OK? Il y a un carte qui est valide. Nous avons demandé nos mamans, s'il y a une pièce maman avec encore mieux pour éviter qu'il y ait une erreur dans l'acte de naissance, notre nom, date et lieu de naissance et puis nom de monde comme témoin. Opératrice Onian Yannick Joseph explique yo fait 10 à 20 enregistrements par jour si pièce qui recommandé yo là et puis yo fait renouvellement pour quelques cartes qui expirent. Nous enregistrer 10 à 20 si monde par jour et puis nous faire renouvellement là tout notre pour monde qui travaille dans ça là. Si monde vient accoucher ou pas venir avec pièce yo ou pas faire enregistrement sans que ou pas gain ni sin maman avec papa. Responsable souhaité parents yo marché ak pièce yo yon manière pour enregistrer ti moun yo ça k'ap éviter problème à l'avenir tant kou inscription l'école. Pourquoi il est là na fond coup de pied dans département Nord-Ouest pays. Fédération organisation société civile Nord-Ouest COSNO qui joint support point focal ak fondation Sinécolo Haïti organisé pendant week-end passé à un forum écologique dans ville Port-de-Paix. Ces représentants organisation qui étaient sorti dans 11 communes département Nord-Ouest là qui étaient participé dans activité ça. Marc Edio Sam pour plus de détails. Finances publiques, élaboration et gestion projet, gestion qui est basée sur résultats et réduction de comptes, c'est quelques parmi thématiques qui ont développé pendant 2 semaines formation ça, qui ont réalisé dans l'intention cadre dans différentes boîtes l'État dans le département de l'Ouest-là. Une formation qui répond à divers constats au MRH fait dans l'administration publique-là. Docteur Wisner Thomas, directeur cellule promotion et déconcentration administrative dans l'OMRH, a cité. Déficience.
en matière d'études techniques préalables du projet, une participation insuffisante dans le processus de conception et d'élaboration de projet, une faible maîtrise des procédures d'exécution des dépenses publiques et l'incapacité de reddition de comptes, une mauvaise organisation des structures de mise en œuvre au niveau déconcentré. Formation ça doit contribuer à améliorer compétences fonctionnelles et taillot pour une meilleure qualité de service à la population. Améliorer les compétences de leurs ressources humaines et les motiver à fournir des services de qualité et de proximité à la population. Délégué départemental Nord-Ouest là, agronome Aurel Théo qui a participé dans cérémonie ouverture formation ça, applaudit l'initiative OMRH là qui visait rendre administration publique là efficace et plus fort pendant de rappeler gros rôle délégation yo bien pour jouer dans cadre mise en œuvre politique nationale déconcentration OMRH là. Depuis Cité Capra Mort Port de Paix, Marc Eddy Osam, antenne télévision d'État. Voilà, amis téléspectateurs, c'est moment pour nous observer un coup de pause dans le journal ça. Restez branchés, n'a pas tourné dans un petit moment. Dans l'actualité internationale, l'autorité judiciaire espagnole mandé pour réactiver le dossier mandat d'arrêt qui était lancé contre l'ancien président catalan Carles Puigdemont lundi 22 janvier 2018. Là, ça arrivait dans le moment côté M. Puigdemont a visité le pays Danemark. Nous invitons à suivre un reportage. Visite ancien président catalan Carles Puigdemont dans le dernier mois, jeudi lundi, pas fait autorité judiciaire espagnole le plaisir. Paquet général catalan mandé pour réactiver le mandat d'arrêt européen. Qui était lancé des anciens présidents catalans, Carles Puigdemont, qui toujours gagne accusation, rébellion et détournement de fonds qui pèsent sous dol. Dans le niveau ça, jusqu'à ce dossier pour qu'on ait obligation pour l'agir, ça qui bail Carles Puigdemont assez temps pour l'entrée dans le pays Belgique sans problème, côté il résidait depuis plusieurs mois. Malgré lui en exil, Carles Puigdemont candidat pour tourner dans tête exécutif catalan. Il fait qu'on est capable de diriger Catalogne à distance depuis le pays Belgique côté il résidait. Toujours dans l'actualité internationale là, pour mettre un bout à tout l'élite à réaliser dans le Moyen-Orient, vice-président américain Mike Pence fait une visite en Israël dimanche 21 janvier 2018 là. Vice-président américain fait visite ça pour démontrer soutien sans faille à allié israélien en reconnaissance Jérusalem comme capitale Israël. Dans chita parler li fait avec dirigeant israélien, Mike Pence aborde deux aspects, la paix et la sécurité. Contrairement à protocole traditionnel là, dans la région, Mike Pence n'a pas rencontré chef autorité palestinien Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas refusait tout entretien avec vice-président américain après transfert ambassade américaine dans Jérusalem avec blocage plusieurs millions de dollars qui destinés à réfugiés palestiniens.